Mesdames, messieurs, bonjour. Je m'appelle Antoine Burkhardt et j'ai un message important pour vous. Mais avant cela, j'aimerais vous lire un texte. Très bref, rassurez-vous. Les modes ont fait plus de mal que les révolutions. Elles ont tranché dans le vif. Elles ont attaqué la charpente osseuse de l'art. Elles ont coupé, taillé, désorganisé, tué l'édifice dans la forme comme dans le symbole, dans sa logique comme dans sa beauté. Et puis elles ont refait, prétention que n'avait eu du moins ni le temps ni les révolutions. Au siècle révolution, qui dévaste du moins avec impartialité et grandeur, est venue s'adjoindre la nuée des architectes d'école. Ces mots que je viens de vous lire sont ceux de Victor Hugo à propos de Notre-Dame de Paris. Que dirait aujourd'hui le grand écrivain ? Emmanuel Macron souhaite recourir à l'art contemporain pour reconstruire Notre-Dame, tirant ainsi honteusement profit de l'incendie du 15 avril dernier. Pour cela, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le lancement d'un concours international d'architecture. C'est ouvrir la boîte de Pandore. Vous pensez que j'exagère ? Sachez que déjà le vice-président de la Maison d'architecture d'Île-de-France, Olivier Leclerc, se réjouit de la possibilité de reconstruire Notre-Dame à l'image de notre époque. Autrement dit, comprenez bien, d'en faire une cathédrale LED, laïque et pourquoi pas recyclable. Et pour y arriver, comble du comble, il déclare qu'on peut par exemple imaginer un trou avec une sorte de flèche en négatif par-dessous. L'architecte Jean-Michel Villemotte, qui a contribué à la restauration du collège des Bernardins, donc pas n'importe qui, propose de remplacer la flèche de Viollet-le-Duc par une flèche en verre en écho à la pyramide du Louvre. Un autre cabinet d'architecture va encore plus loin, puisqu'il propose de reconstruire toute la toiture en verre, avec en dessous de celle-ci un sentier bordé d'arbres et de plantes où les touristes pourraient déambuler. Mais ce n'est pas le projet le plus fou. Il existe un projet encore plus indécent. Un cabinet d'architectes norvégien, cette fois, propose de remplacer la toiture de Notre-Dame par une immense piscine, oui, une immense piscine, où les touristes et les Parisiens pourraient venir barboter les soirs d'été. Rendez-vous compte. Notre-Dame défigurée, surplombée par une sorte de serre à légumes ou par une piscine. S'il vous plaît, dites stop, ça suffit, réagissez. Ne laissez pas Notre-Dame être ainsi saccagée. Notre-Dame appartient à Dieu et à l'histoire. C'est un lieu sacré. Elle n'a pas à être un jouet entre les mains d'architectes avides de reconnaissance qui méprisent notre identité. Elle n'est pas non plus un espace inclusif, festif, tolérant, multiculturel, progressiste, comme le souhaitent certains. Non, Notre-Dame est un lieu de prière, c'est un lieu harmonieux. Elle a été édifiée par les catholiques pour honorer la Mère de Dieu. La seule solution acceptable est donc qu'elle soit reconstruite, ou bien plutôt restaurée, dans l'état qui était le sien avant le terrible incendie du 15 avril dernier. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de refaire à l'identique. Ce serait la solution la plus simple, la plus économique, la plus rapide, la plus sensée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marie-Yvonne de Saint-Fulgent, qui fut directrice du patrimoine au ministère de la Culture de 1993 à 1997. Pour sauver Notre-Dame, une défiguration qui cette fois serait définitive, je vous demande donc de réagir immédiatement. Pour cela, je vous demande de signer la pétition lancée par la Fédération Pro Europa Christiana « Reconstruisez Notre-Dame à l'identique » adressée au président de la République. Déjà, plus de 16 000 personnes ont signé cette pétition. C'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être encore plus nombreux. C'est pourquoi je vous demande, à votre tour, de signer cette pétition. Je compte vraiment sur vous, je compte sur votre participation et sur votre signature. Et je vous demande, une fois que vous aurez signé, de partager à votre tour cette pétition afin que vos amis et vos connaissances puissent elles aussi le signer. Et ainsi, tous ensemble, nous allons sauver Notre-Dame. Merci beaucoup, je compte sur vous.